Hello, hello. Qui j'en ai, qui j'en ai fait? Si vous faites des sous-vidéos, moi, c'est Steven Jean. Mais si on est capable de voler, ça n'a rien à voir avec e-commerce. Si vous avez dit e-commerce, vous avez dit e-commerce électronique, un business en ligne. Tout ça n'a rien à voir avec business en ligne. Des business côté de m'acheter des ordinateurs, un téléphone, moi, et puis ma vendre, ma faire business à travers le monde, et bien moi, là-dedans. Plus moi, moi, dans le shipping, maintenant. Amazon, mon affiliation, et puis tant d'autres business encore. Moi, je suis coach e-commerce, ça veut dire si vous avez un business sur Internet là, eh bien, nous avons un rapport avec le shipping. Si vous avez un monde pour vous, compte vendre sur Amazon, vous pouvez checker. Ou bien, si vous avez un monde qui a besoin de conseils, ça a un rapport avec le business en général, vous pouvez contacter. Et puis, moi, je suis un web design, qui a aidé à créer. Et shop, mettez business sous, fait ça les private label, à dire qu'il pour brand nous. Et si tu as besoin de créer logo, faire design, tout ça, vous capable contacter, moi capable d'aider et moi capable canaliser, et bien retour, moi capable faire le pour, capable contacter, ou bien dire moi ça aucune difficulté. Je dis à l'homme des non d'apporter un sujet qui est très important pour capable aider nous comprendre ou même en tant que jeune qui sont capable vendre sur Amazon. En plus, là, nous connaissons Amazon seulement, c'est pour capable venir acheter, ou bien Amazon Prime, regarder des vidéos, l'autre bagaille, mais alors Amazon, ben, il y a possibilité pour même en tant que jeune, nous capable de vendre sur Amazon tout. Et ça, très important pour vous, c'est-à-dire même qui n'importe côté dans le monde, vous capable de vendre sur Amazon, vous capable de produire sur Amazon, vous capable de vendre des milliers, des millions de produits sur Amazon, quand vous chita la caillou, et puis Amazon a fait dépôt sous compte bancaire sans problème chaque 15 Non, moi, chaque 15 jours, Amazon a fait dépôt sur compte bancaire. Mais, je ne dis pas parler d'Amazon, je vais parler de Jeff Bezos. Jeff Bezos, tout ça, qui campait, qui mettait un go marché électronique, qui c'est un plus gros marché qui gagne dans cette classe avec commerce électronique, dans toute grosse plateforme qui existait, même j'ai gagné eBay, gagné Alibaba, gagné AliExpress, et bien Amazon, c'est un go tout. Qui est-ce, monsieur, côté le sorti? Eh bien, avant de parler d'Amazon, nous avons fait une petite biographie de monsieur. Tout coûte. Et puis, pour nous capables de voir qui est ici. Jeff Bezos, qui est ici? Jeff Bezos, c'est un mec qui fait 12 janvier. Depuis le 12 janvier, en tant que haïtien, nous avons compris un peu le bagage. Jeff Bezos fait 12 janvier 1964. Nous avons une ville où il est Albuquerque. Nous avons une ville où il est Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique. Maman, monsieur, c'était Jacqueline Gis Jorgensen. Parce qu'il était ma papa, c'est Ted Jorgensen. Mais après 3 ans de cela, papa, monsieur, avec maman, monsieur, t'es arrivé divorcé. Et même, monsieur, t'es venu un beau-père. Monsieur, t'es venu un beau-père. A dit, monsieur, t'as adoré Jeff Jorgensen. Si vous avez bien compris. Monsieur, t'es venu un beau-père qui vient de marier avec maman après 3 ans. Il est venu remarier encore, qui c'est Miguel Bezos, qui c'est un réfugié cubain. Et bien, c'est là, monsieur, pour prendre son va, c'est mon sac pour aller de monsieur. Et bien, réfugié qui met ça, monsieur, venu porter nom beau-père, qui c'est Bezos. Ça fait, monsieur, il est Jeff Bezos. Par contre, c'est son parcours qui vraiment son équipe très calé, son équipe qui était passionné pour étudier et informatique et puis génie électronique. Son équipe était passionné pour ça. Et là, monsieur finit d'étudier, normalement, monsieur Vinal travaille dans plusieurs compagnies financières. Dans plusieurs compagnies financières. Et puis après ça, en 1990, monsieur vient jouer dans une compagnie qui s'est réunie en Chao&Co, côté une société d'investissement à New York, côté monsieur vient travailler là-dedans, mais je t'appelle venir arriver, quitter compagnie ça en 1994, pour fonder propre business pal, propre compagnie pal, juste à parler de lui qui c'est Amazon. Eh bien, c'est tout par pour ça, monsieur. Et monsieur a commencé Amazon en 1994, et ça belle là, dans Seattle, dans le garage la caille, monsieur. Dans le garage la caille, monsieur, parce que monsieur a une vision, a un rêve, de côté le dérivé, et mais pas de chercher qu'on est premier bagage de gagner dans un gros local. Le bagage, monsieur a commencé à vendre, commencé business lien dans le garage la caille. Et qui est-ce qui est monsieur? Monsieur a fait, t'es besoin de faire un libre électronique. C'est ça qui est dans la tête, monsieur. Même là, monsieur a commencé, puis les amis, monsieur, mais madame, monsieur, pas vraiment. Comprendre, monsieur, si son équipe est fou, est-ce qu'il n'est pas bien en tête, peut-être que ton bon poste, parce que monsieur était vice-président, comparé ça, pour le quitter, pour la fête, genre de business, ça. Et même monsieur, quoi, non, j'ai dit que monsieur était avancé, et mais je dis à qui faut qu'on ait Amazon, monsieur était commencé à Amazon dans le garage, la caille, monsieur. Et Amazon, lui, pour une extension, en oui, 2 ans à 4 ans de cela, côté monsieur, venu dans plus l'autre gamme de produits, venu lancer dans Amazon, dans sa gamme à avec produit manager,
et bien ça gagne abord électronique, ça va avec vêtements, rad, un pilote bagage, monsieur vient entrer dans Amazon qui fait je dis ouais Amazon ça lié. Et bien ou même qui pas de idée de Amazon, et bien mais qui est patron ça, boss ça qui dé Amazon qui ça fait Amazon je dis. Et bien si ou même t'as demandé qui ça Amazon, Amazon c'est un plus gros marché commerce électronique qui existe à travers le monde. Il y en a plus gros et tout ça n'a pas l'idée si on en a qui gagne, si on en a qui gagne l'argent yo, ok, si on en a qui gagne l'argent yo et dans le monde là. So sans nous pas arrêter tant, nous pas le passer dans plusieurs façons qu'on va faire l'argent sur Amazon. Pour nous capable parler de tout ça relié Amazon là, et bien nous pas le montrer qui ou même en tant que jeune comment qu'on va faire l'argent à travers gros plateforme ça qui gagne environ pour 2 3 5 millions visiteurs sur le côté capable bénéficier de ça ou capable faire l'argent. On allez. Eh bien, j'aime dire là, il y a plusieurs façons capable faire l'argent sur Amazon. Il y a plusieurs façons capable faire l'argent sur Amazon. Une façon capable faire l'argent sur Amazon yo, c'est que au besoin seulement gain volonté pendant que moi partager ça ensemble avant, on t'a conseillé et puis vous capable commencer à abonner à page là, à chaîne YouTube là, abonner avec con TikTok là pour capable toujours informer de ça. OK. Il y a cette façon moi m'a balle ko capable sur Amazon pendant ou capable faire business avec Amazon, ka faire l'argent avec Amazon pendant que gain plus façon toujours. Il y a une façon que okay, c'est auto-édition livre. Auto-édition livre ça dit c'est un monde qui c'est un ou même en tant que on est capable écrire livre, son côté capable écrire livre, mais Amazon ba possibilité pour capable écrire livre vendre sur Amazon. Et ça fait non en particulier qui dit bien qui c'est une partie côté capable vendre livre sur Amazon ou normalement côté qui gon plateforme que Amazon mette côté que capable vendre livre monde capable même lire livre là seul pas besoin imprimer livre là. OK, deuxième bagage qu'a faire sur Amazon capable venir non c'est le sur Amazon à dire vendre produit sur Amazon. Troisième bagage qu'on va faire sur Amazon ou même qui c'est yon nèg k'ap fè et par exemple t-shirt ou moun k'ap fè bracelet tout bay sa yo, ou capable fè ça et puis les moun nan besoin li font demande de production et puis ou même ou créer produit sa ouvre ba client. Dans un bay ou ka fè sur Amazon ou capable un service de publication indépendant on dit ça ou l'écrit pe sur Amazon nan ki sa lié et bien parti ça si yon nan possibilité que le bay ou même en tant que yon on est qui connaît écrit livre ou bien qui gagne livre déjà mais Amazon bon possible quoi publier sur Amazon et capable faire impression pour vendre livre ça plus sur Amazon avec toute clientèle Amazon gagne. Quatrième bail capable sur Amazon, Amazon go partir les Amazon machine calculator côté que capable et analyser des données pour Amazon, ou capable analyser des données, contrôler comment les services Amazon dans clientèle là capable gérer ça sur Amazon, Amazon ka aide faire ça. Et puis un bagage capable faire sur Amazon encore qui c'est ou même qui gen produit la kayo gen propre produit propre brand nou et Amazon bon possibilité pou capable voyer nan stock Amazon nan dépôt Amazon et puis Amazon après ça tout bagaille pour et puis produit ou vendre sans aucune difficulté. Septième bagaille ou capable faire sur Amazon ka faire Amazon affiliation. C'est ça ou capable faire sur Amazon, gen plus soit toujours capable vendre sur ou faire sur Amazon, Amazon gen partie pou capable gérer hébergement sur Amazon ou même bon site ou capable héberger sur Amazon dans pilote d'Amazon même vérité sur ça ou directement tu parle dans cette façon capable vendre sur Amazon. Mais dans cette façon ça mes amis gain deux vraiment mettre accent sur c'est les Amazon qui se vendent sur Amazon et puis programme affiliation sur Amazon. Mais je dis à moi plus chita sur c'est les Amazon. Yon nèg sur c'est la même gars ou ka dire Amazon FBA. Mais Amazon FBA gain deux parties là-dedans qui très important et faut connait yo. Parce que l'on va vendre sur Amazon, il faut connaître qui est non qui est rentré. Ou bien avantage chaque et désavantage chaque gain ça sur Amazon. Par exemple, si vous avez des effets Amazon FBA, eh bien, vous avez deux catégories dans Amazon FBA. Il y a un retail arbitrage et un arbitrage. Eh bien, ça, qui différence sur gain entre retail arbitrage et un arbitrage. Et chaque gain différence par eux, ça gain avantage par eux, gain inconvénient par eux. Ou même qui est au café, est-ce que vous même café retail arbitrage ou café arbitrage à la fois, ou bien ce café yon ou bien l'autre, ou bien on fait tous les deux. Eh bien, moi, explique qui sacrifie l'arbitrage, qui sacrifie l'arbitrage. Eh bien, qui sacrifie l'arbitrage? Qui sacrifie l'arbitrage, c'est un monde qui décide pour machine ou pour un pied, machine dans magasin qui existait côté Amazon, qui est dépôt, dans zone côté Amazon, par exemple, aux États-Unis, nous avons une machine dans tout dépôt, dans tout magasin, l'autre bagage, c'est là, chercher des produits qui vendent sur Amazon. À travers une application qui Amazon a mis à la disponible en tant que seller sur Amazon, et bien, on scanne le produit ça, on peut est-ce que le produit ça vend sur Amazon, est-ce que le produit ça sur Amazon, et puis qui prix produit sur Amazon, compétition Amazon, qui marge de profit.
Et bien, moun sa, lise, on ite la bite se konsom ka mache en detay, cheche produit tout kote gen sou Amazon, normalement pou kapab vendre produit sa sou Amazon. Et bien, c'est ça ou le ite la bite aja. Yon moun ka fè on la arbitrage nan Amazon, yon moun ka fè on la arbitrage, c'est parce que différence, mais pas une grande différence. J'aime dire là, retail arbitrage qui s'allie sur un monde qui juste a marché dans plusieurs boutiques, dans plusieurs factories, et puis a cherché produit pour vendre sur Amazon. C'est-à-dire, ça prend machine, il prend chocolat, il prend quelque chose de salgué, il prend pile, et puis les jours d'hier, il a scanné produit, il a gardé le produit, il a mis le produit dans le panier, il a mis le produit dans la machine, et puis il a acheté produit en groupe pour vendre sur Amazon. Il est capable de voler par Amazon ou bien il a choisi. Just fait Amazon FBM côté que c'est lui qui voue produire ma client ou bien FBA c'est Amazon qui responsable toute bagarre voue ma client ça dit non ça on capable choisir faire non c'est Amazon FBM ou bien FBA mais c'est ça et bien monde qui fait online arbitrage c'est qui différence qui gagne entre online arbitrage là qui fait online c'est acheter sur internet acheter sur ordinateur sur laptop li et bien là acheter des produits qui vendre sur Amazon à travers des sites web là aller sur Walmart alors sur Depot là aller sur plusieurs autres site qui existait la chercher pour la faire comparaison des prix et puis si prix en balle hommage de manœuvre il go profit qu'il fait là-dedans mais automatiquement il propose l'acheter les prix par Amazon pour capable vendre sur Amazon c'est même ça qui fait on a habitat digital la qualité pas déplacé qui différence des monde qui fait retail habitat les marchés des magasins factory la chercher produit mais monde qui fait on a habitat digital la qualité c'est-à-dire un monde par exemple capable faire tous les deux pour ça tout capable gagner une composition géographique et tout son seul capable faire puis devant à comprendre ça me dit bagaille mais on allez qui différence il y a entre Amazon online arbitrage et retail arbitrage j'aime de dire tout à l'heure et ben online là c'est que on qui ça devant ordinateur seulement qui chercher produit qui fait comparaison des prix qui checker et en pile marketplace là les sur Walmart là sur Alibaba là c'est AliExpress là c'est bagaille puis là regarder produit qui comment à vendre sur Amazon est-ce qu'il va vendre puis acheter produit ça vendre sur Amazon pas de monde acheter des ordinateurs. Yon moun ki fè retail arbitrage son moun ki deside marcher de magasin en magasin et puis aller produit ça pour capable vendre sur Amazon. Et mais qui avantage gagne entre yon deux? Yon avantage gagne moun ki fè retail arbitrage parfois les jeunes plus marge de manœuvre. Comment fait je marge de manœuvre profit et mais produit que la vente la jeune yo parfois vend plus bas prix OK dans magasin yo. Deuxièmement li pas jeune produit comme vous dit pour produit à l'acheter li tout prend. Li pas besoin tant de shipping produit infini puis pêche puis tout bail ça veut cause bail plus possibilité faire plus marge de profit parce que on va faire un arbitrage on monde qui faire un arbitrage si on monde qui acheter un produit qui pêche puis parfois qui attend produit à 2 3 4 jours puis venir mail ou bien puis voyer bail en prep center qui cap préparer produit à vouloir bail Amazon pour lui et différence ça qui gagne différence gagne c'est dire monde qui fait retail arbitrage jeune plus marge de manœuvre plus qui faire plus profit monde qui fait un arbitrage là il pas produit il pas une qualité produit hein ça veut dire il bon produit et produit par de bonne qualité. La différence, une différence qui est entre eux, avantage et désavantage qui est au chaque. OK. Konya, est-ce que au Cambodge connaît que pour sur Amazon en plus connaît parce que tout le monde connaît sur Amazon c'est aux États-Unis seulement parce que des fois chaque produit même sur côté est-ce que produit ça vient jeune non. Eh bien on va connaître ça. Eh bien au cas dit combien marché Amazon gagne. Eh bien Amazon gagne plusieurs types de marché, gagne plus marché tout. Amazon pas seulement aux États-Unis. Minimum à n'importe 10 côtés et plus même. Par exemple, il y a Amazon. L'aime dit Amazon, il faut qu'on fasse parler pour comprendre. C'est-à-dire, l'offre commande Amazon aux États-Unis, eh bien, dépôt, bien produit ça déjà aux États-Unis. Eh bien, l'un monde, on l'autre côté fait pour demander ou bien acheter un produit sur Amazon, mais pour produit ça, est-ce qu'il est déjà dans la zone côté monde? Par exemple, il y a un monde qui achète un produit en Europe dans Amazon, il n'est pas forcément produit aux États-Unis, à Germany en Europe. Parce que Amazon gen dépôt, tout côté ça. Qui côté Amazon gen dépôt? Amazon gen dépôt aux États-Unis, ça nous connaît déjà. Li gen dépôt Canada, ça fait 2. Li gen dépôt Mexique, ça fait 3. Li gen dépôt Brésil, ça fait 4. Li gen dépôt Royaume-Uni. Li gen dépôt en Allemagne. Li gen dépôt en Italie. Li gen dépôt Japon. Ça veut dire, li gen en Espagne, ça dit li gen dépôt. Ça dit un monde qui achète un produit en Espagne, et bien ça vient bal possibilité de produire avec une plus rapide parce que produit déjà disponible dans zone dans environnement quotidien. Mais ça va arriver gen pile fois produit même les Amazon de côté ça va dire l'autre qui l'autre zone pas acheter. Et bien gen dépôt qui servi aux environs. Par exemple, un monde qui achète un produit qui au Mexique, caché sur marché mexicain
dans Amazon, eh bien, si vous avez trouvé Nicaragua, par exemple, si vous avez trouvé Salvador, car c'est ouais, pour ça, c'est sorti Mexique la journée. Mais bientôt, si vous achetez en Allemagne, ça va arriver par un dépôt Portugal, mais pour dire aussi en Allemagne, car ceci et en France, car ceci de l'autre côté, là, je ne m'en ai parce que parfois, il dépôt ça a comme desservi environnement. Même j'ai un monde au Japon, si on a un dépôt au Japon, un monde qui a acheté dans zone asiatique là, il y a possibilité pour dire au Japon, la jeune monde, ça dit Amazon, bat plus près de vous, juste pour permettre que vous clientèle qui est rapide, ou bien une livraison qui est rapide, normalement pour que la jeune produit sur Amazon. Ok. Il y a une question qu'on va poser qui est peut-être une question. Est-ce que si un monde Chili, Saint-Domingue, Haïti, avant sur Amazon? Regardez, pour capable de sur Amazon, Amazon, ou à une limite, qui peut côté capable de sur Amazon? La seule différence, j'en ai dit nous tout à l'heure, non, non, ça me dépend, non, ça qui rapport Amazon FBA qui gagne retail arbitrage, l'arbitrage, un million de monde qui Chili, Saint-Domingue, Haïti, ou à café. On l'a arbitrage parce que vous achetez des ordinateurs, vous checkez tout produit que vous besoin et vous voyez par Amazon pour Amazon. Est-ce que vous capable de faire? Oui, pour faire une tactique, une technique. Si vous avez besoin qu'on ait, pas un problème, dites ça dans les commentaires ou bien dites-moi ma bonne tactique capable de faire sur Amazon pour capable vendre même le Chili ou Haïti ou Saint-Domingue ou Argentine qui peut côté pas gain dépôt Amazon ou capable vendre sur Amazon normalement. Parce que Amazon pas belle limite ou même en tant que haïtien capable vendre sur Amazon. Quand on a posé une question, qui ça besoin de vendre sur Amazon? Qui ça vraiment besoin de vendre sur Amazon? Et mais Amazon seulement les besoins ont identité. Une identité capable en licence ou les capable passeport. Les capable licence ou un passeport capable vendre capable non seulement entrer dans création compte sur Amazon parce que dans Amazon il y a deux comptes pour créer. C'est chauffeur choisir ou bien l'autre. Un compte particulier et puis un compte professionnel. Compte particulier qui a avantage, un compte professionnel qui a avantage, il y a inconvénient dans chaque gain avec inconvénient. Compte particulier, il y a bonne possibilité de vendre moins que 40 produits sur Amazon. Et il y a des catégories que ou pas qualifié pour vendre sur Amazon sur l'on compte particulier. Sauf que à chaque fois où vend un produit, Amazon touche 49 points, 49 centimes comme sous frais et plus sur frais que quelqu'un expédition tout bas ça ou qu'avant sur Amazon c'est ça gagne un compte particulier mon pas gagne obligation pour obliger mon abonnement mensuel dans compte particulier il seulement touché sur vous à chaque fois ou vendant produit plus taxes ok Amazon gagne point sur vous parce que Amazon gagne plus de taxes une taxe dès que vous mettez produit dans la cali gagne taxe l'autre bagage c'est Amazon gagne point plus 0,49 cents là toujours point sous en tant que leur créant compte particulier. Sous créant compte professionnel, côté quoi paye 39,99 sur Amazon, eh bien, vous capable vendre plus que 40 produits et vous qualifiez vous capable vendre plus gamme de produits sur Amazon. Eh bien, l'on compte ça, pas de limite pour vous mettre 10, 400, 500, 1 million de produits même. Eh bien, dans le compte particulier, de vous arriver 40 produits dans moins que 40 produits dans le mois, de vous vendre 39 produits. 40 produits ou pas 40 encore. Ou attendre l'autre mois à commencer pour commencer 20 produits, mais si tu as un client qui t'a demandé un produit et Amazon va proposer au client de acheter un produit. Ça. Mais l'autre compte professionnel là, ou capable de vendre des milliers de produits. La seule chose, ou vendre produit ou pas vendre produit, ça va regarder Amazon payer 39,99 là normalement chaque mois. C'est ça qui est important dans la partie ça. Konya. Ou a besoin yon carte de débit ou yon carte de crédit pour capable rentrer pour capable payer abonnement ou bien pour payer pour recevoir pour acheter sur Amazon. Ou a besoin carte de débit ou carte de crédit. Ou a besoin compte bancaire pour capable recevoir l'argent et compte bancaire va le définir ce qui marche ou décide de vendre. C'est-à-dire ce qui marche sous décide de vendre sur marché États-Unis, c'est-à-dire USA. Ou obligé au compte bancaire qui a un rapport avec USA, même genre pour Brésil, Argentine, tout ça. Mais, puis devant, ma montre des tactiques, ou capable d'utiliser même le pape vivre aux États-Unis, pour capable connaître qui j'ai pour vendre sur Amazon. Et c'est un bail qui est très important, après trois bail, après deux bail, ça me dit là, qui c'est identité avec compte bancaire au Canada, il y a un bail qui est important sur Amazon, il faut qu'on adresse côté ou sous marché ou décide de vivre là. Vendre. Soit vendre sur marché américain ou obligé à des États-Unis, soit vivre sur marché américain et canadien, obligé à des Canada, soit vivre, soit vendre sur marché brésilien, obligé à des au Brésil.
Et on parle non sous t'as aimé vendre sur Amazon ou t'as aimé connaître comment on est capable de vendre sur Amazon même là où tu vas en Haïti, Saint-Domingue ou l'autre pays quelconque. Et bien, on va dire moins, on va cliquer ça dans les commentaires et puis là pour comment on est capable d'aider comprendre qui j'ai capable de créer il y a son compte sur Amazon ça. C'est ça qui est important. So, ça veut dire Amazon pas limité ou si vous limitez des taux, dès que vous avez besoin de vendre sur Amazon, vous êtes capable de faire comme. Yes. Je nous dis, hein, pour ça, besoin de compte là, eh bien, Amazon paye chaque 15 non-mois. C'est-à-dire, si vous vendez un produit dans le mois, eh bien, le 15 arrivé, Amazon calcule le combo, et puis il fait dépôt pour. Chaque 15, il fait dépôt pour automatiquement sur Akaoto. Normalement. OK. Ça veut dire, sous limite tout, et pas non limite tout, aujourd'hui, vous avez connu comment vous êtes capable, qui soit besoin, capable de vendre sur Amazon, vous avez besoin non seulement quand qui marche ou décide de vendre sous lui, vous avez connu qui compte ou d'objet pour un compte presse et particulier ou bien compte professionnel, vous avez besoin d'identité ou un passeport ou bien carte d'identité, vous avez besoin d'un carte de crédit ou bien carte de débit, vous avez besoin de compte banque. Ça, c'est très important pour capable d'ouvrir un compte sur Amazon. Et puis l'autre bagaille, il faut qu'on ait des fils. On va connaître qui sont capables de gérer compte Amazon. Parce que Amazon, c'est une compagnie qui bail client li plus priorité. Qu'importe mauvais feedback qu'on recevra, ça arrive à Amazon bloqué à 40 euros, il faut qu'on ait comment gérer ça. Qui conseille de capable un monde qui décide de vendre sur Amazon? Il y a un conseil numéro 1 décide de un monde qui décide de vendre sur Amazon. D'accord, c'est servir avec un carte de crédit au lieu d'un carte de débit. Et puis, deuxièmement, soit ici, ou une difficulté pour vendre sur Amazon, ou à 4, ou à ceci, eh bien, il y a TransferWise, il y a Pioneer qui est une possibilité. Vous avez un compte banque, et puis, nous avons TransferWise, vous avez un compte banque là, gratis, mais vous avez 4 là, nous avons seulement, vous avez gagné environ 31 dollars pour faire comment 4 là, vous pour. Pour vous compte là pour Peony, nous quoi faut attendre une transaction 100 dollars passer sur compte là. De vous une transaction 100 dollars passer sur compte là, automatiquement vous qualifiez comme gagnant 4 Peony. Est-ce que Amazon accepte compte banque ça? Yes, pour Peony, ni transférer Amazon gagne affiliation ensemble avec eux, a dit contrat ensemble avec eux, Amazon accepte pour capable recevoir paiement ou bien payer avec 4 Peony ou bien compte Peony ou bien TransferWise sur Amazon. Qui j'en fait ça? Eh bien, si tu as aimé connaître, quitte un commentaire pour ta connaître comment on va faire ça. So, à 10 jeudi, c'est samedi pour nous. Comment on est capable de vendre sur Amazon? Différentes façons de vendre sur Amazon. Qui stratégie de employé qui va vendre sur Amazon? Est-ce que c'est on l'arbitrage qu'on va faire ou bien retirer l'arbitrage? Eh bien, ça, c'est très important pour te connaître. Si tu as aimé connaître plus, je nous dis, on est capable d'écrire ça dans le commentaire. Pas oublier. Abonnez à channel là, abonnez avec compte là, et puis partagez, like pour qu'à toujours vous donner des vidéos. Parce que y a plus de vidéos, vous allez faire plus approfondi, ça vient avoir Amazon, vous allez voir comment vous gérer création compte là qui est très 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 important pour vous-même qui a décidé de vendre sur Amazon. Ça très important. Eh bien, c'est ça me devrait pour nous aujourd'hui. Nous disons merci de ce que vous avez choisi. Tendez, il y a un bail qui est important. Toujours, toujours battre pour activer la cloche de notification YouTube là pour qu'il y ait toujours les autres vidéos qui sortent. Eh bien, il y a un bail qui est important. Pas oublier, abonner, partager, like pour l'autre amis qui sont capables de venir. C'est très important. Liberté financière, c'est dans mes mains. De vous avoir accès à un téléphone, à Internet, à un laptop, eh bien, pas écouter ou capable ou pas capable de faire succès. Je dis à Amazon, c'est une compagnie en 2022 hein, qui gagne plus de 2, 3, 4 millions de personnes qui vendent sous lui en tant que vendeur. Et Amazon, je dis là, gagne près de 3,5 millions de personnes qui presque passent à 3 à 5 millions de personnes qui passent sous lui chaque jour, viennent acheter ou font bagaille quelconque. En 2021, on a Amazon a gagné presque 2 milliards de visiteurs par jour sous lui, tellement bagaille de changer. Nous avons tout le monde changé, battre pour nous pas pour nous pas quitter nous. Je ne veux dire la technologie a bien plus de possibilités pour même en tant que jeune, pour même qui t'a fait business, pour capable faire business. C'est seulement battre pour gagner information yo, parce que information c'est richesse, information c'est pouvoir, et puis pas gagner rien qu'à battre pour faire business.
C'est un réel plaisir de partager des informations ensemble avec vous. Je vous souhaite de vous rencontrer dans d'autres vidéos. Je vous souhaite de partager, commenter pour plus de monde capable de voir la vidéo pour nous permettre que chaque monde soit capable de marcher sur la liberté financière. Merci.